Et eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, donc ça faisait longtemps, donc aujourd'hui nouvel unboxing de maillot fake, je le rappelle, de chez GOFC, que je remercie de m'avoir envoyé deux beaux maillots, donc de la Coupe du Monde, hein, parce que c'est la Coupe du Monde, vous le savez. Donc le premier maillot qu'ils m'ont envoyé, c'est, voilà, toujours bien emballé, hein, ce maillot du Japon qu'on va tout de suite déballer. Donc ce maillot, c'est le maillot du Japon, donc fan version, donc ce n'est pas la player version. C'est-à-dire que les fan versions vont mieux tailler, vont être plus grands que les player versions. C'est-à-dire les player versions, il va falloir prendre une taille au-dessus. Donc voilà, donc le maillot du Japon, hein, domicile. Il n'y a pas de flocage, mais on va tout de suite faire le tour du propriétaire pour voir les petits détails de ce maillot. Et donc nous voilà sur le devant de ce maillot du Japon pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà, donc on peut voir à l'intérieur la nouvelle étiquette de taille de chez Adidas. Donc on a ici du M, voilà. On a l'écusson du Japon donc, qui est brodé, qui est pas mal fait. Hein. Pour le moment, il n'y a pas trop de couture qui dépasse. Il n'y a trop rien à dire dessus. Le logo Adidas, pareil, qui est parfait. Il n'y a rien à dire dessus. Il est super bien fait, bien reproduit. Tous ces motifs tout le long du maillot là en forme de griffes, de je sais pas trop quoi, en blanc et bleu, c'est franchement magnifique. Bah, ça fait penser au maillot du Japon, hein, comme ils ont toujours l'habitude de nous présenter. Dans le col en haut, on a une petite bande rouge, hein, voilà, pour rappeler le Japon. Sur les côtés, pareil, des liserés rouges qui vont venir jusqu'en bas et faire le tour du maillot. Voilà, donc sur les épaules, les trois bandes Adidas. Comme sur chaque maillot Adidas quasiment, voilà. Et au dos, un dos assez uni, bleu, avec des bandes blanches sur le côté. Franchement, j'aime bien ce petit rappel de blanc là sur les côtés, ça rend pas mal. Et le petit détail qui fait un peu tout, c'est le drapeau du Japon sur le haut du maillot. Je trouve ça franchement un petit détail franchement magnifique. Voilà, donc ceux qui veulent y apposer un flocage, n'hésitez pas. Moi, je n'avais pas l'idée, donc voilà. On va tout de suite passer à l'essayage. Et donc ce maillot du Japon, donc voilà comment il taille. C'est du M, hein. Il taille assez grand, je trouve. Mais non, pour un M, il taille super bien. Donc voilà, il n'y a rien au dos. Voilà, donc ce super maillot du Japon. Donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller sur le site de GOFC, dont je vous mettrai tous les liens dans la description. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.